Bienvenue à l'émission Ma francophonie avec Jean-Pierre et Tampard. Aujourd'hui, nous allons discuter avec différents invités par rapport à leur francophonie et ce qu'elle signifie pour eux. Voici notre directrice Eliora. Elle vient de France, alors peut-être elle pourrait nous parler un petit peu de son pays. La France est un pays où la neige tombe, mais qui est très chaud, ça veut dire qu'il ne fait pas très froid comme au Canada. On commence en France l'école un peu plus tôt qu'en Canada. En France, il y a des pains qu'on appelle les baguettes. Ils sont un peu plus différents que ceux du Canada. Maintenant, nous invitons Blessing et Beloved à venir nous parler de leur pays d'origine, le Congo. Les filles, où êtes-vous nées? Moi, je suis née à Calgary, mais je viens de Congo. Moi, je suis née au Québec, mais mon origine est au Congo. Quels sont vos mets préférés? C'est Congo Madis. Et c'est quoi exactement? C'est, on le prépare avec des feuilles et aussi avec des haricots. Toi, Blessing. À moi, c'est du beignet. Et du beignet, c'est de la nourriture africaine qui est brun, qui est vraiment bon. Faites-vous des activités en français en dehors de l'école? Oui. Comme quoi? Des fois, on joue dans la pluie. En français? Oui. Ou des fois, on part dans la plage quand l'école est finie ou on joue au soccer. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Maintenant, Elodie, Oliver et Olivia sont aussi avec nous aujourd'hui. Elodie et Oliver, parlez-vous français à la maison? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez dans une garderie en français? Oui. Est-ce que tu as des amis que tu joues avec? Pendant que tu attends ton papa et ta maman? Oui. Et toi, Oliver, est-ce que tu en as? Pardon? Est-ce qu'à la maison, des fois, tu lis des livres en français? Parfois. Et toi, Elodie? Je ne sais pas. Olivia, parles-tu français à la maison? Oui. Oui. Est-ce que tu lis des livres en français? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que t'aimes manger? Souvent, c'est des pâtes. Comme quelle sorte de pâtes? Des spaghettis, du macaroni. Merci. Et vous, qu'est-ce que vous mangez? Aimez manger. Vous aimez aussi des pizzas? Oui. Quelle sorte de pizza? Des pizzas au fromage. Oh, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Nous avons aussi TJ qui va nous parler de ses origines. Tes parents viennent d'où? Ma mère vient d'Edmonton et mon père vient du Gabon. Et quel est ton plat préféré du Gabon? De la papaye, c'est techniquement juste un fruit avec des grains dedans. Puis si tu mets une sorte de chose dedans, ça peut le faire sûr et très bon. Et comment préparez-vous la papaye? C'est juste
un fruit naturel. Tu le prends à un magasin, puis tu le prépares. Est-ce que tu fais des activités en français? Pas vraiment. Mais t'en fais? Oui, je l'en fais, oui. Comme je lis en français, je fais des activités en français à l'école. Je fais plein de choses en français. Bravo. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, nous recevons Carson et Katerina qui vont nous parler de leur famille. Katerina, est-ce que tu fais des activités en français à l'extérieur de l'école? Pas en français. Non. Est-ce que la garderie, par exemple? La garderie. Et quel était ton premier mot, Carson? Coco gaga. Et est-ce que tu parles en français à la maison? Un petit peu. Et toi, Katerina? Oui, des fois. Merci. Au revoir. Nous avons maintenant Leila et Mila qui vont nous parler de leur francophonie. Leila, Mila, vos parents viennent d'où? Ma mère vient d'ici et mon père vient de Montréal. Est-ce que vous parlez français à la maison? Oui. Aurais-tu des trucs à nous conseiller pour parler en français plus souvent? Non. Merci Leila et Mila. Et attends, Mila, qu'est-ce que tu as mangé, Mila? Maintenant, nous invitons Mia, Oakley, Andy et Adam Martin. Alors, qu'est-ce que vous aimez manger? Moi, c'est la salade de fruits. Moi, c'est de la pizza hawaïenne. Moi, ça peut être des fois de la viande, du poulet. Moi, j'aime manger n'importe quel mets japonais. Est-ce que vous parlez français à la maison? Oui. Oui, je parle français à la maison. Un peu avec mon père. Faites-vous des activités en français? Oui. Comme quoi? Des fois, on joue à tag. Oui. Comme quoi? Comme jouer à cache-cache. Des fois avec l'école ou la classe, on fait des excursions en dehors de l'école. Oui, des fois je veux jouer avec des amis. Ok, maintenant nous allons faire venir Joshua et Celia. Est-ce que vous faites des activités à l'extérieur à l'école, de l'école? Oui, des fois. Comme... Des fois cache-cache et tag. Et toi, Celia? Je joue à cache-cache et je joue à tag aussi. Et vous êtes nés où, Celia et Joshua? Moi, je suis née en Alberta. Où en Alberta? Edmonton. Moi aussi, Edmonton. Est-ce que vos parents viennent de quelque part? Est-ce que vous savez où est votre origine? Votre origine est congolaise? Mon origine, c'est Québec. Moi aussi, c'est Québec. Merci, Joshua et Celia. Maintenant,
maintenant nous inviter Monsieur Arsène, Madame Marie-Claire et Madame Vanessa. Alors, qu'est-ce que vous aimez manger? Ben, moi, j'aime bien manger le foufou. C'est quoi le foufou? Ben, le foufou, c'est une nourriture de base de mon pays. Est-ce que tu veux savoir comment on la prépare ou quoi? OK. Okay. Alors, pour préparer le foufou, tu as besoin de la farine de semoule, puis tu as besoin de l'eau. Tu mets l'eau dans la casserole, tu mets sur le feu, et puis quand l'eau commence à bouillir, et puis tu vas ajouter un peu de la farine de la semoule. Progressivement, tu es en train de remuer avec un couteau à bois, et puis par après, ça va faire une pâte. Et c'est vraiment, ça devient le foufou. Et puis, tu peux manger ça avec le poisson, avec des légumes, avec la viande. Merci. Yeah. Moi, j'aime bien la pudding chômeur. C'est préparé avec un genre de gâteau et du sucre brun. C'est vraiment délicieux avec de la crème glacée à la vanille. Moi, j'aime beaucoup la poutine. C'est un mets traditionnel québécois qui vient du Québec. Et c'est fait avec des frites, de la sauce brune et du fromage en grains, qui vient du Québec lui aussi. D'où venez-vous? Moi, je viens du Congo. Est-ce que tu sais le Congo, c'est où, madame l'animatrice? Non. Okay. Ben, Congo, c'est en Afrique centrale, et puis c'est un pays francophone de l'Afrique centrale. OK, merci. Moi, je viens de Rivière-la-Paix, c'est au nord de l'Alberta. Et mon père est originaire du Québec et ma mère est aussi originaire du nord de l'Alberta. Moi, je viens de Laval, c'est au Québec, c'est très près de la grande ville de Montréal. Est-ce que vous faites des activités en français? Oui, effectivement, je fais des activités en français, mais tu sais, je n'en ai pas vraiment, vraiment beaucoup. Mais quand j'ai l'occasion de faire mes activités, je préfère toujours le faire en français, mais des fois, je peux le faire aussi en anglais. Oui, moi, je joue au volleyball avec une équipe francophone tous les lundis soirs. Moi, je ne fais pas d'activité en particulier, mais mon copain parle français, donc à la maison, je parle français, au travail, je parle français. Donc, le français fait partie de ma vie à tous les jours, même si j'habite dans une province majoritairement anglophone. OK. Merci. Au revoir. Merci à tous de participer. Merci à Alta TV et à l'Institut Guy Lacombe pour l'émission Ma Francophonie! Vous faites du bruit. Vous êtes. Quels sont vos maîtres préférés? Alors, vous pouvez parler à la caméra. Il n'y a pas de table, mais je peux. Ils sont un peu plus différents que ceux du Canada. J'ai fini. Oui. Merci. Et ça, c'était l'émission Ma Francophonie. C'est bon?